quand ma première fois entrée de Paris, je connais pas le métro, je connais pas ces arrière bus, c'est rien. Alors les Français aussi rien. Quand avec 2 jeunes afghans, avec moi 3, je prends un taxi jusque pour Gare de l'Est. La Gare de l'Est, c'est tout ce jeune afghan vient premier de Gare de l'Est. Parce que moi, je comprends rien que jeune afghan dormit où, c'est police France, c'est règles, je comprends rien. L'autre minami de Kulul Fabian, tous jeunes, que moi, régime, c'est village d'Afghanistan, de Panchir, c'est tout ensemble, dormi 30, 35 de Kulul Fabian. Premier jour, parti manger sans masque. Après, deuxième jour, chercher un restaurant, c'est à côté Bilwil, qui est un restaurant africain. Il n'y a pas cher, 2 euros, 1 euro, c'est pour dorer, pour les. Ça, c'est bien un restaurant pour manger pour tous. Et à toujours manger. J'ai midi, ce soir, manger aussi. Quand matin, parti, c'est l'aider, acheter ses biscuits, c'est comme ça. Après-midi, et 17h, 17h, tout le monde afghani, comme village, ensemble, 3 groupes. Vite, groupe, jouer foot ensemble. Continue jusqu'à 9h ce soir. Quand port fermé, nous aussi partis pour dormir. Quand aussi une fille en seule partie, c'est taper, prendre téléphone, l'argent, c'est comme ça. Une fois, c'est quand la police vient aussi, c'est un noir taper un jeune afghan petit. Après nous parler avec police parler que toi aussi tape. Toi aussi tape, après nous aussi vient avec bâton. 35 afghans ensemble, ce soir attaqués, noirs, tapés. Tous, jusqu'à 2 semaines, 3 semaines après, perdus. Arabes, noirs, tous perdus. Voilà. Après, laisse tranquille. Ça, c'est aussi beaucoup afghani. C'est dormi sur l'Est, ici. Ça. C'est un grand parc. Beaucoup de jeunes afghans manger la cousine, tous. Et elle est là. Ça, c'est pour cousine. Cousiner. Ça, c'est aussi beaucoup afghans. Dormir ici. Ça se laisse. Ça, c'est aussi. Se laisse 4, se laisse ici, dormir elle est là. Voilà. Et maintenant regarde quand on partit en bas. Regardez que, quand avant dormi ici. Ça c'est quand maintenant fermé, quand on a abandonné. Ça c'est deuxième, ça c'est premier. C'est deuxième, troisième. Ça c'est maintenant fini. Quand c'est parti foyer Noisy-le-Sec, c'est moi qui comprends rien aussi. Quand on parle, il n'y a pas école, il n'y a pas si travailler français que moi comprends parler français. C'est métro, arrière, non. Après, quand on partit, Noisy-le-Sec, de foyer, 1 mois,
sorti interdit un seul. Parce que règle de foyer France, règle comme ça. Après un mois, moi c'est quand sorti, arrive, je ne connais pas rien à voir. Avec l'autre Afghan parti, tu arrive O, B, H. Par exemple, beaucoup parti avec activité avec dictateurs, dictatrices de foyer. Pour ça, maintenant, on comprend bien. Quand je venais en France, je suis venu au temple Sikh. Et j'aime bien venir ici tous les dimanches. Je mange ici, c'est tout. Quand moi j'ai entré en Iran, Iran après via Turquie. Turquie ici, il n'y a pas avec voiture. Jusqu'à Iran avec voiture. Après avec pays marché, c'est juste que Tatouane. Après Tatouane, c'est de prendre bus jusqu'à Istanbul. Après Istanbul, prendre ses bâtons avec beaucoup de jeunes afghans. C'est beaucoup aux jeunes afghans mafia qui prennent l'argent après donner bâton. Beaucoup de jeunes afghans aussi ont besoin de l'argent. Après donner l'argent, parler comme ça, partir guérir, ça c'est guérir, ça comme ça. Après donner pour nous un petit bâton. Après avec 12 jeunes, on vient d'entrer la guérisse. Après police prend. Police prend, c'est un camp foyer. Quand jeunes nouveaux entrent de la guérisse, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de ça. Après un mois, encore bâton, un grand bâton, donner ticket, police. Après parti, c'est Athènes, c'est capitaine de guérisse. Après bien, c'est 2 mois, 3 mois, tu guéris. Après bien, c'est un jaziré, tu guéris, c'est Patra, qui est grand bâton, c'est via tu guéris, via tu Italie. Paris, Ancona, Venise, c'est ça. Quand moi, j'ai entré de Venise, j'ai sorti le camion caché. Quand on marchait un peu, ça c'est aussi beaucoup sale, moi. Chevaux, c'est trop grand, chevaux. Beaucoup sale, vêtements, c'est pas bien, c'est ça. Après, prends-moi, c'est police. Police, regardez, cherchez un peu, parler quel âge. C'est toi, c'est quel pays. Moi, je comprends rien. C'est qu'est-ce qu'il y a, quelle langue parler. Après, c'est juste que parler, c'est anglais un peu. I from, c'est quel âge, c'est comme ça. Moi, c'est parler 15, 15 ans, c'est... Je viens de Goumera, dans la région de Kaye, au Mali. Je viens de Dofa, à la région de Kaye, du Mali. Je n'avais aucune idée sur la France avant de venir. Le climat change. En France, il fait froid. En Afrique, il fait chaud. Quand je suis venu en France, ce qui m'a surpris, ce sont les immeubles. Ils sont trop hauts
et ils sont beaux. On a filmé les tours de Banyolé parce qu'elles sont très hautes. À Bamako aussi, il y a une grande tour qui s'appelle Tour de l'Afrique. Nous avons filmé la tour Eiffel parce que quand on voit la tour Eiffel, on sait que c'est Paris. On a filmé l'île 14 parce que c'est un train automatique sans chauffeur. Tout est moderne. J'ai vu l'ascenseur pour la première fois en France. Je ne savais pas comment l'utiliser. J'avais un peu peur de le prendre. Au Mali, chez nous, il n'y a pas de tapis roulant. Le tapis roulant, c'est bien parce que ce n'est pas fatigant. Je m'appelle Mamadou, je viens de Mali. J'habite à Noisy-le-Sec et j'aime bien foot. Et j'aime bien aussi le week-end, je sors avec mes amis, avec mes copains. Donc, et on s'amuse et on passe un peu de temps ensemble. Après, ça, quand il va rentrer chez lui, et on passe bien le week-end avec les filles. Avant de venir en France, je ne connais rien du tout pour parler français. Mais maintenant, je vis en France, je fais beaucoup de progrès, je parle bien français un peu. Moi, quand j'étais au pays, moi, je n'étais pas à l'école. J'étais sauf que le travail, mais je suis venu pour en France pour étudier, pour trouver un diplôme pour travail. Bon, maintenant, j'ai commencé le travail en français et je parle un peu fort, un peu de français quand même. Mais je trouve que ça, c'est bon. Et après, j'ai gagné mon diplôme. Après, j'ai commencé le travail. Maintenant, on vient de Noisy-le-Sec. C'est très bien, c'est bon quartier. On fait des sports. On va au cinéma, on va aux piscines, on va faire beaucoup de choses là-bas. Ça, c'est très bon. La palette de magie. Oui, jamais la fou. Toi? Moi aussi. Ah non, Claude! Viens! Là, tu es à quoi, j'ai peur? Viens! Mamadou! Hé! Allez,
Regarde. Trop bien ça. Oh, t'as vu. Voilà. Oh, vous êtes Zélim. Allez, toi, devant. Je suis là. Je suis là. Relève tout de suite. Je suis là. Noisy, c'est très bon. Bon, on va aller à Mediatek. Bon, on est au Mali, on ne connaît pas de Mediatek. Bon, on ne connaît pas de rien. En français, écrit, mais français, bon, un petit peu. Mais quand même, on vient en France, on parle un peu, on travaille un peu. Bon, on va aller à la piscine, on va aller à la patinoire. Il y a beaucoup de choses à Noisy. C'est très bon. Je travaille à l'Estage Vert et j'aime bien ce boulot-là et je vais continuer avec ça jusqu'à j'ai gagné ma vie, c'est tout, après, et je vais voir encore ce que je vais le faire.